Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 10 du pass de combat de la saison 4. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la saison 4 se termine dans 6 jours, donc il vous reste 6 jours pour faire vos défis si vous ne les avez pas finis. Alors, dans ce tuto je vais vous présenter où se trouve l'étoile secrète qui est de fouiller entre des titres de films. Alors je vais quand même vous énoncer tous les défis. Le premier défi c'est de fouiller des coffres à Jung Jongsan, il en faut 7. Et il faut endommager des structures adverses de 5000 points de dégâts. Il faut fouiller un coffre, une boîte de munitions, un ravitaillement en une seule partie. Il faut traverser des anneaux en chute libre. Il faut fouiller entre des titres de films, donc ça je vais vous montrer. Éliminer des adversaires, il en faut 10 éliminations. Et il faut éliminer 3 adversaires à Fatal Field. Donc voilà, ça c'était pour tous les défis de la semaine 10. Et maintenant, je vais vous montrer l'étoile secrète. Alors c'est parti, je vais lancer en solo. Alors, pour trouver l'étoile secrète, tout d'abord, on va regarder les titres de films pour voir c'est entre quoi. Alors, évidemment, c'est en anglais. Donc, attendez deux petites secondes. Alors, il est marqué White Lion. Donc, entre un lion. The Orange Crusher, c'est sûrement un truc de casse orange. Crusher, ouais, c'est sûrement un truc qui écrase. Un truc qui écrase, mais qui est en orange. Et une TV Dream. Alors, l'étoile secrète se trouvera juste en dessous de moi. Donc vraiment, juste ici, je vais même zoomer dessus pour bien vous montrer, voilà. Vous zoomez et regardez ici, il y a une petite tache. Et ben, c'est sur cette petite tache que l'étoile secrète se trouvera. Alors, le lion, il se trouve ici. Donc devant le terrain de foot, on peut le voir, voilà, juste là. Alors, la caméra, elle se trouve dans le bunker, voilà, qui est juste là. Il y a une grosse caméra en plein milieu. Et le truc qui écrase les voitures orange, donc l'écraseur orange, il se trouve juste là. Et le milieu de ces trois endroits, c'est juste sur la tâche, juste en dessous. Donc apparemment, il n'y a personne, donc c'est pas plus mal. Hein. Donc regardez, elle est juste là, voilà, voilà. Ça, c'est l'étoile secrète de la semaine 10. Donc je vais juste faire une petite danse, voilà comme ça, juste ici. Alors, on va faire la danse freestyle, hop là, voilà, pour une belle petite miniature. Et c'est bon. Donc là, quand vous avez pris l'étoile, soit vous vous suicidez, soit vous vous faites tuer ou soit vous faites top 1. Donc moi je vais essayer de finir la partie. Donc je fais un PGM, ça fait longtemps que j'ai plus joué, mais je vous tiens au courant si je fais des kills ou si je fais un top 1 par magie, quoi. Et bien sûr, je vais essayer de faire des défis en même temps. Genre fouiller un coffre, une caisse de munitions et un ballon de largage. Un largage d'arrêt britannique. Donc là, il y a du monde. Moi, je vais direct au fight. Donc, je prends du risque. Mais... sans balek. Ok. Et de 1. Pas mal. Ah, voilà. J'ai trouvé une petite caisse de munitions. Ok. Et maintenant, je vais juste attendre un loot. Hein. Dès que je vois un loot, je fonce dessus hein, pour être le premier à arriver. Et comme ça, bah, j'aurai fait deux défis en un. Alors, je viens de remarquer que quand on vise la fissure dans le ciel, on entend ces bruits, mon frère, laisse tomber. On croirait que c'est vivant. On dirait qu'il y a des battements de cœur et tout. Ça me fait penser un peu à la météorite quand on la visait. Il faisait du bruit aussi. Bah là, c'est le même truc. À mon avis, il y a sûrement un message codé là-dedans. Hein. Comme j'ai pas trop suivi l'histoire de cette saison, je saurais pas vous en dire plus, mais bon, il y a plein d'autres youtubeurs qui l'ont fait. Hein. Ça part en fight! J'essaye cette nouvelle arme là. Elle marche plutôt pas mal. J'ai quand même pris un coup de shotgun dans ma gueule, ça fait quand même mal. Hein. Et putain, la zone qui arrive à grands pas, il faut que je me grouille.
Un petit caddie dans les environs, ce serait pas mal. Mais je crois que je rêve. Bébé, va chercher le caddie. Faut qu'on y aille là, faut qu'on aille faire nos courses. Et voilà, voilà. On demande un caddie à nos femmes et on n'a jamais de caddie. Voilà. Félicitations. Est-ce que je vais survivre? Faut que j'essaie loin quand même. Hein. Bah j'ai 7 bandages, ouais, ça peut peut-être passer, on va tester. Ah mais j'ai un tremplin! J'ai un tremplin les frères! Putain, encore que je le remarque. Bon, il m'a fallu le temps de le remarquer. Hein. Voilà. Oh, j'entends que ça casse près de moi. Ok, il est juste là. Wouhou, en pleine tête en plus. Merci, merci. Wouah, vas-y, je lui ai mis un 81 dans sa gueule. Putain. D'où il m'avait vu, lui? Il m'a vu à 500 km ou quoi? Enfin bref, quand vous finissez la partie... Ouais, il en avait tué 6, il était chaud, il en avait tué 3. Donc quand vous finissez la partie, soit vous êtes suicidé, soit on vous a tué, ou soit vous avez fait top 1, ben là, vous allez voir que... Ben, le défi a été validé. Donc on va dans le défi, semaine 10. Et vous pouvez voir que fouiller entre des titres de films a été validé. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Sois Cool au Mike et ciao. Peace.